Bonjour les copains et les copines et bienvenue dans ma cuisine. Voilà, comme vous pouvez le voir, ici je reviens de la ferme où j'ai été chercher les légumes. C'est la ferme du Trieux. N'hésitez pas à aller contacter si vous voulez de superbes légumes. Franchement, c'est super set. Moi je prends toujours des paniers doubles et je fais par rapport à ce qu'il y a, mais on sait également choisir à la pièce. Donc voilà, aujourd'hui j'ai plein de légumes verts comme vous pouvez voir. Enfin, j'ai des carottes aussi. Alors on va faire une soupe aujourd'hui. Vous allez me dire une soupe, ben c'est super facile à faire, mais il y a des petites subtilités que je fais qui donnent un super goût qu'on ne pense pas toujours, auxquelles on ne pense pas toujours. Par exemple, quand je prépare de la viande, je garde souvent les os pour en faire du bouillon. Et je me suis, pour vraiment tirer l'essence, toute l'essence de la nourriture et ne rien gaspiller. Et ici, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec les épluchures de légumes? Voilà, parce que en fait, on va tout éplucher. On va garder que les meilleurs morceaux pour faire la soupe. Et bien moi, je nettoie toutes les épluchures et avec les épluchures, je fais un bouillon de légumes. Donc c'est un petit peu spécial, mais j'ai déjà essayé ça dans un super goût. Allez, avec mon petit commis de cuisine aujourd'hui, on va essayer de faire, de concocter une bonne soupe parce qu'il fait froid, ça va être bientôt l'hiver. Alors une bonne soupe, ça fait toujours du bien, n'est-ce pas? Ouais. Allez, c'est parti. Alors c'est parti tout de suite, on va nettoyer comme il faut tous les légumes, les éplucher et les couper grossièrement en gros cubes. Une fois fait, je vais récupérer, comme je l'ai dit dans l'intro, toutes les pelures des légumes, vraiment bien les nettoyer. Une fois que les pelures sont toutes propres, je vais mettre 30 g de beurre dans une casserole. Avec celui-ci, pour l'aromatiser, je vais mettre du thym frais, des fines herbes, basilic, persil, ciboulette et de l'ail. Des grains de poivre et un clou de girofle. Une fois que le beurre commence à crépiter, je vais ajouter toutes les pelures de légumes pour les faire suer. Une fois que celles-ci ont bien sué, je vais recouvrir d'eau. Et on ne le voit pas dans la vidéo, mais je vais ajouter de la sauce soja aux champignons. Je vais saler. Et je vais laisser cuire mon bouillon à peu près une heure. Une fois que mon bouillon a cuit pendant une heure, je vais le filtrer d'abord à la grosse passoire et ensuite au petit tamis. Une fois que mon bouillon est filtré, je vais reprendre une autre casserole, ajouter une nouvelle fois 30 g de beurre, de l'huile d'olive, du gingembre et des gousses d'ail, et également un bouquet garni. Une fois que mon beurre commence à crépiter, je vais ajouter les légumes et les faire suer. Alors pour les aider à les faire suer, je vais ajouter également un petit peu de sel. Ensuite, une fois que mes légumes ont commencé à bien suer, je vais ajouter le bouillon de légumes. Ensuite, je vais saler et poivrer et on va laisser cuire le tout pendant une petite heure à fin bouillon. Voilà, ça fait
plus ou moins 45 minutes, une heure que mon bouillon, que ma soupe a cuit. Et maintenant, je vais tout mixer au mix-soup. Voilà les copains et les copines, la soupe à ma manière. Ici, les légumes, pour moi, ont moins d'importance parce que les légumes, vous devez choisir ceux qui vous plaisent en fait. Moi, comme j'aime tous les légumes, je vais chez le maraîcher, je prends des paniers déjà tout faits et je mets dans ma soupe ce qu'il me donne. Alors, ce que je mets systématiquement, c'est des pommes de terre, parce que les pommes de terre vont me permettre de donner cette onctuosité à la soupe. Une consistance, un féculent. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez très bien remplacer les pommes de terre par des navets. C'est beaucoup moins calorique si vous faites régime. Vous pouvez très bien boire de la soupe à la place pour caler votre ventre, parce qu'en fait, la pomme de terre a quelque chose de plus consistant que le navet. Donc voilà. Et alors, encore une fois, j'essaye de tirer un maximum l'essence du produit. Donc ici, je n'ai pas jeté, maintenant je les ai jetés, mais toutes les pelures des légumes, tous les restes des légumes, je confectionne un bouillon de légumes avec et je mets de la sauce soja aux champignons, ce qui va permettre de donner ce petit goût qu'on pourrait imaginer dans le cube de bouillon de légumes. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés. En attendant, on va quand même la goûter, hein. On va essayer de voir un peu ce que ça donne. J'adore. C'est très bon. Elle a une bonne consistance. Elle a ce côté un petit peu salé du cube de bouillon. Mais je n'ai pas mis de cube de bouillon. Ça, c'est super intéressant aussi. Sur ce, si vous faites une soupe, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Je devrais faire un Instagram d'ailleurs, j'ai pas d'Instagram, mais bon, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. En attendant, je vous dis à très bientôt dans ma cuisine. Salut !